Imaginez-vous un matin où tout semble aller très bien. Vous êtes en train de prendre votre tisane, votre infusion, votre café, votre jus naturel fait maison, en pensant à votre journée. Et puis, en un instant, tout peut changer. Une paralysie soudaine, des mots qui ne sortent plus. C'est l'attaque, les amis. L'AVC, accident vasculaire cérébral. Cette maladie frappe sans prévenir et il n'épargne personne. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nature nous a fourni des alliés pour se protéger. Alors, saviez-vous qu'il existe des plantes pour vous protéger, pour réduire les risques d'AVC? Vous avez bien entendu, j'ai dit des plantes. Et je veux vous en présenter cinq qui peuvent vraiment changer la donne. Alors, on va commencer par un grand classique. L'ail. Celui-là même que vous avez tous dans vos cuisines. L'ail est un super héros de la santé cardiaque grâce à la lysine. Et donc, l'ail fait baisser la tension artérielle et réduit le cholestérol. Et en plus, il fluidifie le sang, ce qui aide à éviter les caillots, ces fameux bouchons responsables d'un AVC. Je vais vous partager un secret que j'utilise moi-même. Alors, vous allez prendre 10 gousses d'ail. Voilà, 10 gousses d'ail que vous allez éplucher, puis découper. Et vous allez les mettre dans un bocal, celui-là. Et dans ce bocal, vous mettez l'ail que vous avez découpé en petits morceaux. Et ensuite, vous rajoutez du miel. Du miel. Du vrai miel, hein? Pas du miel pasteurisé, pas du miel industriel, du miel à l'état pur, comme ce que vous retrouvez dans toutes nos boutiques, Terrance Nature, Douala, Abidjan, Paris et Trappes. Donc, vous laissez donc macérer l'ail avec du miel dans ce bocal pendant 48 heures, 2 jours. Après les 2 jours de macération, vous filtrez votre miel et ensuite vous prenez une cuillère à café tous les matins à jeun. Les amis, c'est très simple, c'est très efficace et je vous garantis que ça marche. Ça ne vous coûte rien. Il vous suffit d'acheter l'ail et du miel et le tour est joué. Alors, passons à la deuxième plante. Notre deuxième plante est le ginkgo biloba. Cette plante connue depuis des millénaires. C'est une merveille de la nature. Elle est utilisée depuis des milliers d'années pour améliorer la circulation sanguine, surtout au niveau du cerveau. Elle aide à dilater les vaisseaux, à libérer le passage. En quelque sorte, elle réduit le risque d'obstruction, donc moins de risque d'AVC. Et puis, on a le curcuma. Le rhizome que vous connaissez, curcuma. Donc, cette petite racine jaune est un concentré de bienfaits avec ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle fait des miracles pour nos artères. En gros, elle va empêcher les plaques de se former, celles qui peuvent bloquer la circulation et provoquer un AVC. Donc, le curcuma est très intéressant. Pour prévenir l'AVC. Alors notre quatrième plant est la feuille d'olivier. Elle ne se contente pas seulement de réduire la pression artérielle, elle protège aussi nos artères du mauvais cholestérol. C'est comme si elle donnait un bouclier à nos vaisseaux sanguins, empêchant ainsi la formation de ces fameuses plaques. Enfin, on termine avec le thé vert. Ce n'est pas seulement une boisson désaltérante que nous prenons en journée
pour se rafraîchir, c'est un vrai allié pour nos artères grâce à ses antioxydants. Alors, le thé vert va prévenir la formation des caillots et va aider à maintenir une bonne tension. Et en bonus, il aide à perdre du poids, un facteur clé pour éviter les AVC. Comment intégrer tout ça dans votre routine? C'est très simple, les amis. Nous avons composé une infusion anti-AVC qui regroupe ici toutes les plantes précitées. Et qui est-ce qui peut consommer cette tisane? Tout le monde. Je dis bien, tout le monde peut en consommer. Et surtout, si vous avez déjà eu un AVC, cette tisane est idéale pour éviter une récidive. Ça sent très bon. Comment l'utiliser? C'est très simple. Il vous suffit de prendre une cuillère à soupe tous les matins et soirs pendant 4 semaines. Et vous renouvelez la cure tous les 3 à 4 mois. Alors, où est-ce que vous pouvez retrouver cette tisane? Vous pouvez la retrouver dans toutes nos boutiques d'Errance Nature, Paris, Trappe, Douala et Abidjan. Ou bien, vous pouvez passer votre commande directement sur notre site internet www.errancenature.com. Alors, nous livrons partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis et même au Canada. Tous les détails sont mentionnés en bas de description. Mes chers frères et sœurs, ne laissez pas l'AVC être une fatalité. La nature a tout prévu pour nous protéger. Il suffit de s'en servir. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager avec vos proches. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.